Buon pomeriggio a tutte e a tutti e grazie per essere qui con noi oggi. Io mi presento brevemente per chi non mi conoscesse, sono Oriana Mascali e lavoro come redattrice per l'area lingue di Mondadori Education. Oggi modererò questo incontro che in realtà è il secondo appuntamento di un ciclo che stiamo dedicando alla letteratura francese. E in particolar modo l'incontro di oggi sarà eh, focalizzato sull'educazione civica. Eh, un tema che noi sappiamo appunto molto eh, molto molto sentito da voi docenti perché eh, chiaramente adesso l'esigenza di integrare i programmi didattici delle singole discipline con eh, tematiche di cittadinanza è una cosa con cui vi trovate a fare i conti eh, sistematicamente nella vostra quotidianità didattica. Eh, proprio alla luce di ciò, nella progettazione della nostra letteratura francese eco, che forse avrete già avuto modo di vedere perché sta circolando eh, proprio in queste settimane tramite la rete commerciale, ehm... Appunto, durante la lavorazione ci siamo chiesti come fosse possibile coniugare l'insegnamento della letteratura in lingua a eh, tematiche di cittadinanza, senza ovviamente che mh, venissero fuori dei collegamenti magari forzati, eh, diciamo fittizi, eh, ma rendere proprio appunto le due cose interattive e perfettamente integrate l'una all'altra. Eh, Questa esigenza è stata alla base del nostro progetto di Parcours Citoyen, di cui parleremo più avanti nel corso di questo incontro, e, e a parlarvene sarà proprio il professore Luca Giachino, che è qui con noi. Esatto, eccolo. Buongiorno, buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. Allora, il professore Giachino insegna al liceo classico Massimo d'Azeglio di eh, Torino, ma è anche autore di manuali di francese per la scuola, nonché della nostra letteratura francese ECO. Prima di passargli la parola per, ehm, diciamo, il cuore proprio di, di questo incontro di oggi, vi do qualche informazione tecnica ehm, relativa all'incontro. Vedo già che c'è anche qualche domanda appunto specifica. Eh, dunque, noi staremo insieme per circa un'ora, Uh, nel corso della quale voi avrete la possibilità di formulare le vostre domande e noi ci ritaglieremo uno spazio alla fine della presentazione del professore Giachino per cercare di rispondere al maggior numero possibile di queste domande ehm, ovviamente compatibilmente con il tempo che abbiamo a disposizione. E la registrazione dell'evento di oggi sarà disponibile a partire da domani sul nostro canale YouTube quindi vedo che qualcuno chiedeva sì c'è la possibilità di recuperare se vi perdete qualche pezzo o all'inizio o alla fine potete ovviamente andare a recuperare la registrazione l'attestato di partecipazione sarà invece disponibile nella pagina del nostro sito proprio la pagina dedicata all'evento quindi quella che avete già, già visto bene allora io vi do appuntamento a più tardi eh, vi auguro buon ascolto et je la parole au professeur Luca Giachino. Merci mille. Merci Oriana, merci et euh, bienvenue à tout le monde pour cette, euh, pour cette rencontre assez rapide sur euh, la littérature française et la citoyenneté, euh, comme on a intitulé notre rencontre d'aujourd'hui. Euh, donc Oriana euh, vient de euh, nous, nous rappeler que euh, nous avons recueilli le défi de conjuguer euh, la littérature avec euh, le parcours de citoyenneté que, euh, que nous devons euh, mettre en place dans nos, dans nos lycées, dans nos établissements. Et euh, donc, euh, et, et, et je voudrais vous présenter aujourd'hui euh, deux ou trois euh, suggestions euh, de ce que nous avons imaginé pour, euh, pour effectuer tout ceci. Donc, euh, tout d'abord, je rappelle, permettez-moi de rappeler euh, très rapidement, le cadre, le cadre normatif dans lequel nous euh, nous, nous insérons. Euh, donc, il y a euh, la, la loi de euh, 2019 qui a introduit euh, l'enseignement de l'éducation civique, hein, de la citoyenneté dans, dans, le, dans le parcours euh, du, du lycéen. Euh, et euh, en 2020, l'année suivante, euh, il y a un décret ministériel, numéro 35, dans lequel nous avons les lignes guides pour l'enseignement de l'éducation civique, avec trois annexes ABC qui euh, articulent euh, de manière plus précise euh, notre, notre travail. Euh, en bref, hein, pour résumer ces deux gros textes juridiques, euh, j'imagine que euh, vous, vous savez tous que, euh, encore l'année prochaine, euh, l'enseignement de, de, la, de la citoyenneté. Et, euh, et de l'évaluation est euh, laissée à l'autonomie euh, des établissements et à partir de, de 2023-24 euh, nous devrions recevoir du, du ministère de l'Instruction euh, des objectifs spécifiques hein. donc nous sommes dans une phase euh, préliminaire de d'expérimentation de, 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 si vous voulez et puis euh, on devrait recevoir des, des instructions plus précises alors dans la situation actuelle, euh, en autonomie, les, chaque établissement organise un programme d'études transversales, c'est le mot qui est utilisé dans les textes, euh, dans les textes officiels. Euh, donc, transversal, nous pouvons le traduire par pluridisciplinaire, qui se développe sur 33 heures par an minimum. Euh, dans le cas où il n'y aurait pas de, 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 de professeur de droit, hein, c'est donc sur l'ensemble du conseil de classe que, euh, on distribue ce programme d'études transversales. Euh, et euh, c'est toujours écrit dans, dans, dans les textes juridiques, dans les textes de loi, euh, que l'enseignement... Doit donner lieu à une évaluation périodique et finale. Raison pour laquelle nous avons une nouvelle colonne dans nos bulletins euh, de fin de trimestre et de, de fin d'année scolaire avec la note euh, qui concerne euh, donc l'éducation civica. Euh, en lisant les, les textes, les textes la, 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 la norme juridique, euh, nous savons que euh, l'éducation à la citoyenneté se développe autour de trois axes fondamentaux, euh, ce que dans les textes sont appelés nucléi thématiques La Constitution, avec cette précision droit national et international, l'égalité, solidarité. Deuxième axe, c'est le développement durable dans lequel rentre euh, l'environnement et, et le patrimoine, et, et la sauvegarde du patrimoine et du territoire. Et puis, euh, la citoyenneté numérique. Donc. Euh, toutes nos actions, tous nos parcours, toutes nos propositions euh, devraient en quelque sorte rentrer dans un de ces trois axes fondamentaux. et c'est un peu le défi que nous, allons, que nous avons recueilli euh, dans, notre, dans notre manuel. donc, le défi, c'est justement établir des parcours de citoyenneté à partir de textes littéraires. Euh, pour développer ces trois objectifs, bah, tout d'abord, évidemment, répondre à l'obligation. Hein, il y a une obligation qui regarde la transversalité de l'éducation à la citoyenneté. Donc, euh, le professeur de langue étrangère, pour nous, de, de, de littérature française, euh, nous sommes appelés à, euh, à entrer dans ce parcours de euh, citoyenneté. Euh, un objectif qui nous intéresse plus particulièrement, euh, nous ne devons pas renoncer à la spécificité de notre discipline. Donc, si nous enseignons la littérature, valoriser la littérature euh, à l'intérieur de ce parcours euh, multidisciplinaire, euh, et, et cela nous donne une chance supplémentaire, c'est favoriser le dialogue interculturel entre l'Italie et la France, en mettant, par exemple, en parallèle... Euh, ce qu'on fait en Italie et ce qu'on fait au-delà des Alpes, mais aussi entre l'Italie euh, et d'autres pays francophones. Et euh, troisième objectif, toujours euh, dans l'optique de l'enseignant de littérature française, c'est réaffirmer la capacité éducative des créations littéraires. On peut, nous les étudions du point de vue euh, littéraire, mais euh, utiliser le contenu euh, culturel, éducatif, euh, des textes que nous proposons à nos élèves, de certains textes que nous proposons à nos élèves, euh, même et surtout des textes, euh, des créations qui appartiennent à des, à des époques éloignées. Évidemment, un texte de Simone de Beauvoir sur le rôle de la femme euh, est un texte que nous pouvons encore considérer comme un texte d'actualité, hein, même si euh, ce n'est plus un texte... Actuelle, mais disons, la problématique est encore là. Euh, Qu'est-ce que nous pouvons faire avec des textes du Moyen-Âge, du XVIe ou du XVIIe siècle Donc, à l'intérieur euh, d'un fascicule euh, qui accompagne les deux volumes de Écho, euh, vous trouverez hein, ces, ces pages euh, construites comme vous les voyez là, hein, donc ces pages sur fond vert. Euh, ce sont euh, des, des parcours complets de, de citoyenneté qui abordent un thème, un thème que nous avons euh, privilégié, un thème que nous avons choisi. Et comme vous voyez euh, à gauche, il y a un texte littéraire. Donc, dans le manuel de littérature, euh, à côté du titre et, et de la présentation de certains textes de littérature, vous aurez cette indication parcours citoyen. C'est un texte qui a été utilisé comme base pour développer un, euh, un parcours citoyen. Donc c'est un va-et-vient entre les volumes et euh, ce fascicule de citoyenneté. Euh, avec la collègue Carla Griseri que je, que je remercie. Euh, Carla Griseri, je ne sais pas si vous la connaissez, mais euh, c'est une, une professeure de, de français de grande expérience qui partage avec moi. Euh, la, la tâche d'être formateur ESABAC au Piémont avec Carla Griseri, nous avons euh, imaginé dix parcours clés en main, c'est-à-dire que vous aurez, vous avez à disposition tout le matériel pour réaliser votre parcours, et je vous invite à l'intégrer, à le modifier, à l'adapter euh, aux besoins de votre de votre classe et de vos élèves. Dix euh, parcours qui correspondent aux dix euh, grand chapitre du manuel. Donc, à partir du Moyen Âge, après la Renaissance, le XVIIe, le XVIIIe siècle, et puis le romantisme, le réalisme, l'époque du symbolisme, les avant-gardes, euh, l'époque à cheval de, de, la de, de, pardon, de la Deuxième Guerre mondiale, et puis la, les années contemporaines. Donc, pour chaque chapitre, vous avez un parcours de littérature euh, qui euh, donne... Euh, donne lieu à un parcours de citoyenneté. aujourd'hui, je vous en présente euh, trois la peine de mort, les infos et la consommation responsable. Euh, j'ai choisi euh, ces trois parcours parce que euh, ils, me, ils me permettent de vous présenter une pluralité d'approches, donc un par an, un par, an, par année scolaire, troisième, quatrième et cinquième, euh, un parcours par domaine, Inukleitema hein, Akichi. Donc, on va, je vais vous proposer un parcours qui développe la citoyenneté euh, numérique, les infox, euh, un parcours qui rentre dans euh, ce grand chaudron que, euh, qui, qui est la, la constitution, la peine de mort, et puis naturellement le développement durable avec la consommation responsable. Donc, je commence par euh, la peine de mort, un sujet très sensible. Euh, Qu'il faut approcher aussi avec une, une certaine précaution. Euh, je vous dirai deux mots sur, sur ceci. Donc, en troisième année, hein, euh, terza, euh, le domaine, c'est la Constitution. Les objectifs que j'ai que tirés de l'annexe C du décret ministériel euh, numéro 35 de 2020, hein, euh, vous les avez là, je ne vais pas lire euh, ce que vous êtes capable de lire euh, vous-même. Donc, à l'intérieur. Euh, de, de, de ce cadre. Euh, nous partons d'un texte euh, célèbre, s'il en est, c'est La balade dépendue de François Villon. Hum, J'imagine que c'est un des incontournables euh, des textes de, de, de la littérature française. Je peux imaginer que tous les professeurs de littérature française présentent, euh, présentent ce texte. Donc, ce que euh, Karl et moi, nous avons Penser, c'est comment aller au-delà de ce texte. Donc, euh, nous vous proposons toujours, dans les parcours que nous vous offrons, une entrée en matière euh, qui peut prendre différents visages. En l'occurrence, on peut partir d'une image assez parlante et assez choquante. C'est une image qui n'est pas du, du Moyen-Âge, c'est une image du XVIIe siècle qui nous montre. Hein, ce, entre guillemets, et permettez-moi euh, l'utilisation de ce terme, le spectacle, la spectacularisation de la mise à mort. Hein. Euh, on devait dissuader la population de commettre euh, des crimes et donc euh, l'organisation de, 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 de ces mises à mort euh, collectives euh, avec la participation du, du public. Euh, ce qui, ce qui, ce qu'on retrouve aussi dans les autos-d'affaires euh, des hérétiques, euh, etc. donc, à partir de cette image, tout simplement demander euh, aux élèves de, 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 de réagir face à, à, à cette image. Hein. Euh, nous voyons souvent dans les films euh, la, la pendaison de, du traître ou la décapitation de euh, la, la princesse, de, de, la, de la duchesse, etc. Là, la réalité était bien différente. Elle était encore beaucoup plus cruelle euh, avec euh, cette image, dont on trouve l'écho dans le texte même de Villon quand il dit Vous nous voyez euh, attachés à cinq ou à six. Donc, euh, on peut euh, utiliser cette image aussi pour éclairer un passage euh, du poème, du poème lui-même. Euh, nous avons toujours voulu euh, mettre, indiquer des repères juridiques. Hein, C'est un des buts de l'apprentissage la, de, de, de la citoyenneté. Et donc, selon euh, les parcours, euh, nous allons retrouver des, des repères juridiques. En l'occurrence, l'article 27 de la Constitution italienne, non est ammessa la peine de morte, et euh, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 2, hein, nul ne peut être condamné à la peine de mort ni exécuté. Là aussi, euh, libre à chacun de nous d'utiliser ces textes pour entamer une discussion, pour euh, euh, faire des considérations sur le fait que certains pays qui demandent d'entrer dans l'Union européenne, je pense à la Turquie, hein, expliquer pourquoi ou discuter pourquoi euh, certains pays n'ont pas encore accès à, euh, à l'espace européen, parce que ce sont des pays où la, la peine de mort est encore en vigueur. Voilà donc notre texte. Euh, il ne s'agit pas là de faire une analyse de ce texte. Je peux même imaginer que ce texte... On l'a déjà décortiqué, comme nous avons l'habitude de faire, du point de vue métrique, rhétorique. Euh, nous avons vu ce que Villon voulait dire. Nous avons probablement raconté euh, la légende qui veut que Villon ait écrit ce texte juste avant la condamnation à mort. Et, et puis nous savons que la, la, la sentence a été euh, mutée en exil. Euh, en exil, et donc voilà, tout, tout ce que nous avons raconté à nos élèves. Donc, le travail littéraire, euh, on, on, je considère qu'on l'a fait. Maintenant, il s'agit de partir de ce texte, utiliser ce, ce texte comme point de départ d'une réflexion sur la peine de mort. Euh, naturellement, ce texte ne met pas en discussion la peine de mort, moyen âge, tardif, j'imagine que... Euh, la, la, la peine de mort n'est même pas... On ne peut même pas imaginer qu'elle puisse être mise à, à, en discussion. Ce qui est intéressant dans ce poème, c'est l'appel à la pitié que nous lancent euh, les pendus. Hein. Et donc, euh, commencer notre réflexion sur euh, l'humanité hein, qu'il y a, ou, ou la, le manque d'humanité qu'il y a derrière une condamnation à mort, et en particulier euh, l'utilisation du mot « frère » hein, euh, qui, peut être, qui peut être choquant, hein, des condamnés à mort qui admettent d'avoir été condamnés par justice. Hein. « Si frère, nous cla vous clamons, pas n'en devait avoir des dents, quoique fût mes oxy par justice. » Donc, euh, le condamné reconnaît <laughs> sa faute, mais une fois qu'il a payé avec la vie, euh, son crime, il demande autre chose, il demande de l'humanité. Ça, c'est la deuxième, euh, la deuxième euh, strophe de la, de la balade dépendue. Euh, et donc, voilà le, le, le point de départ euh, d'un travail qui va se développer maintenant sur une pluralité de textes et, et, et d'approches. Donc une discussion en classe, une réflexion, un débat sur l'humanité. Euh, que l'on peut avoir aussi euh, pour, un condamné, pour un condamné à mort. Donc l'étape suivante, hein, c'est une série de documents, j'en ai choisi quelques-uns. Euh, et donc on vous propose hein, euh, des, des documents, comme je vous disais, ce sont des parcours clés en main que je vous invite à euh, enrichir, par vos, euh, par vos réflexions. Alors tout d'abord, euh, euh, un article que je vous montre. Voilà, j'imagine que euh, vous voyez cette nouvelle, euh, cette nouvelle image. Donc voilà, hein, un article très sérieux hein, sur les étapes de l'abolition de la peine de mort. Là, je vous présente aujourd'hui du matériel. Naturellement, euh, euh, dans, dans, dans le fascicule, il y a des propositions d'utilisation de, de ce texte. Euh, et ce texte peut être travaillé en binôme, peut être travaillé en groupe, peut, peut donner euh, lieu à un résumé, peut donner lieu à une transposition d'un texte à euh, une émission radio, à une, une interview, à euh, un, une, un diaporama. Donc là, euh, j'espère euh, vous faire vous rendre service en euh, vous présentant un texte qui, euh, vous voyez, euh, je, je le parcours très rapidement, présente les différentes étapes euh, de la peine des morts, avec des réflexions très intéressantes, hein, euh, comment cela s'est fait progressivement déjà l'abolition sur la place publique a été une étape euh, une étape importante et euh, voilà donc parmi d'autres hein, un, un article que nous vous proposons euh, une étape du matériel encore intéressant peuvent être deux chansons euh, que je ne peux pas je ne peux pas vous faire écouter pour des raisons de droit, donc je vous invite, si vous ne les connaissez pas, à, à, à lire le texte et à les écouter sur les innombrables plateformes qui, qui le permettent. Euh, ce sont deux chansons hein, de la même époque, de Michel Sardou et de Julien Clerc, donc deux grosses pointures de la chanson française, et ce sont deux chansons très intéressantes. Euh, la première, de Michel Sardou, le titre en dit long, c'est « Je suis pour ». Euh, là, euh, je... J'invite, je, je me suis posé la question et je vous invite à réfléchir si c'est un texte qui est en faveur, en quelque sorte, de la peine de mort. Je vais être plus précis tout à l'heure. Mais donc là, il faut le, 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 une certaine caution avant de le présenter, parce que euh, la peine de mort est un thème qui... Est encore très actuel. Il suffit de, de, de euh, l'abolition de la peine de mort est encore très débattue, même dans notre pays. Hein. Euh, si, vous, si on écoute des, des discussions dans, dans, les, dans le métro, dans le bus ou dans, dans, dans le café, euh, euh, surtout quand il y a quand, quand la chronique s'empare, quand les, les, oui, les journaux, la télé s'emparent de, de, certains, de certains événements, euh, évidemment le débat, le débat se rallume. Donc euh, Michel Sardou, pour situer, euh, pour situer ce texte, euh, il, il fait parler dans sa chanson un père hein, dont l'enfant a été assassiné et ce père dit clairement qu'il est prêt à, rendre, euh, à tuer le tueur de, de son enfant. Euh, naturellement, vous pouvez imaginer que cette chanson a provoqué une, un tollé quand elle est... Quand elle, est, quand elle est sortie, euh, Sardou a dû s'expliquer longuement. Il a, il a par la suite dit qu'il est contre, il est contre la peine de mort. Il se rend compte que ce n'est pas quelque chose de dissuasif euh, pour empêcher le crime, mais qu'il a, euh, qu'il a, qu'il a ressenti le besoin euh, de faire parler euh, ce père. Euh, donc, il a dit qu'il présente plutôt la loi du talion plutôt que la peine de mort. Ce, ce qui est, et assez aussi discutable. Mais bon, euh, la réflexion de Michel Sardou naît hein, d'un fait divers, euh, l'affaire Patrick, euh, Patrick Henry, pardonnez-moi, euh, qui, euh, dans les mois précédents, avait tué un enfant de, de 7 ans et donc qui avait inspiré Michel Sardou euh, pour, pour, cette, pour cette chanson. Quelques années plus tard, deux ans plus tard, en 78, euh, Julien Clerc, avec euh, les paroles de Jean-Loup Dabadie, a écrit cette chanson, l'assassin assassiné, qui naturellement présente un point de vue absolument opposé. Euh, là aussi, là aussi, à l'origine, il y a euh, un fait divers qui avait évidemment traversé, effrayé la chronique euh, française. Euh, euh, C'est un, un autre procès, le procès euh, Garceau, qui était un meurtrier récidiviste. Euh, le procès avait eu beaucoup de retentissement julien clerc l'avait suivi et, et l'avocat de norbert garceau donc euh, de l'accusé était robert badinter euh, un avocat professeur aussi à l'université qui deviendra garde des sceaux euh, sous euh, mitterrand et qui est le père de l'abolition de euh, la peine de mort en france donc le dernier guillotiné en France euh, c'est euh, en, en septembre 1977. Euh, cette affaire Norbert Garceau c'est de 78 et euh, Julien Clerc a décidé de chanter cette chanson deux ans plus tard après qu'il l'avait écrite et quelques mois juste quelques mois avant l'abolition de la peine de mort en France qui a eu lieu en 1980. Donc ce sont deux chansons, hein, l'approche par la chanson euh, est toujours très intéressante pour nos élèves, mais deux chansons qui ont deux positions très différentes. Euh, troisième étape de notre, de notre parcours, c'est euh, La peine de mort dans le monde, euh, à travers une vidéo que malheureusement là aussi je ne peux pas vous, euh, vous montrer pour des raisons de droit, mais euh, vous avez le lien à votre disposition. Je suis sûr que vous connaissez un jour une actu. Euh, C'est un site de, 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 bref, de, de vidéos très brèves euh, sur des sujets de l'actualité. Euh, C'est fait pour des enfants, hein, pour des, des enfants plus petits que, euh, que nos élèves du lycée, mais justement, ils ont l'avantage euh, d'être clairs rapide parce que c'est des vidéos de quelques minutes, mais qui font le point d'une de, 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 situation avec un langage très simple. Donc surtout par exemple pour nos élèves de terza qui débutent dans le monde de la littérature qui n'ont pas encore une formation linguistique très poussée, ça peut être ça peut être très intéressant. Il y a en bas euh, des, des, des réactions. Euh, et dans un français parfois, parfois un peu limite, mais bon, hein, ça fait partie aussi de, de l'échange culturel. Euh, donc, euh, il y a des, 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 des commentaires hein, euh, sur lesquels on peut euh, travailler. Par contre, je peux vous montrer le très sérieux dossier. Voilà. Euh, France Diplomatie, c'est le site du ministère des, des Affaires étrangères français. Euh, euh, là, vous avez un très sérieux des de dossiers sur l'abolition de la peine de mort hein, dans le monde dans le monde euh, évidemment l'année dernière on a célébré euh, le, le, le 40e anniversaire euh, de la de l'abolition de la peine de mort en france hein, et euh, donc dans ce dossier très sérieux vous avez euh, une belle carte interactive euh, qui ne s'ouvre pas, mais qui va s'ouvrir, j'espère. Je vérifie seulement que vous la voyez, voilà. Donc, une carte interactive, vous voyez qu'en en, en passant simplement la souris sur les pays, hein, on voit quels sont les pays euh, où la peine de mort est euh, abolie, en vigueur, ou... Dans des pays où elle est en vigueur, mais elle n'est pas vraiment, euh, vraiment appliquée. Hein. Vous avez là euh, la légende, hein, donc en rouge, en orange, en vert et en jaune. Euh. Bon, voilà du matériel que, euh, que l'on peut utiliser pour construire euh, son parcours. Naturellement, euh, dans le fascicule, vous avez toutes les activités commentées euh, avec, avec tous les détails précis. Il faut évaluer. Hein, nous avons vu que l'évaluation euh, du parcours citoyen est une obligation. Donc, il faut arriver à la fin à mettre une note dans la bonne colonne du bulletin final. Et donc, là aussi, on vous propose un certain nombre de d'évaluations de, 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 différentes. Naturellement, on peut faire quelque chose de très classique l'interrogation, euh, une interrogation écrite, etc. Euh, mais nous vous proposons aussi euh, des manières alternatives d'évaluer, peut-être un peu plus euh, créatives. Euh, donc, on peut, d, 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 on peut faire du classique, surtout par exemple dans les filières et Esabach, faire une petite réflexion, un paragraphe argumenté, pourquoi pas, sur euh, le commentaire d'une phrase célèbre, euh, Albert Camus, là, mais qu'est-ce donc que l'exécution capitale, sinon le plus prémédité des meurtres auxquels... Aucun forfait criminel, si calculé soit-il, ne peut être comparé. Ou alors, hein, peut-être avec une classe, on parle à des gens qui sont, qui vraiment sont encore au début de leur apprentissage, euh, une simple création de slogans hein, qui doivent répondre à certains critères. Ou alors la rédaction d'une pétition pour l'abolition de la peine capitale dans tel ou tel pays. Naturellement, là, il faut maîtriser un peu. Euh, le texte argumentatif, même de manière très simple, mais ça peut être aussi une manière pour euh, commencer à travailler sur le texte argumentatif euh, qui n'est pas un texte littéraire, qui demande un commentaire littéraire très poussé. Donc le texte argumentatif peut très bien, euh, l'apprentissage du texte argumentatif peut et à mon avis doit partir par quelque chose de beaucoup plus concret et accessible. Pourquoi pas une pétition pour l'abolition de la peine capitale. Donc là, euh, je me suis un peu... Euh, je, bon, je vous ai présenté ce, euh, ce premier parcours de manière plus détaillée. Le reste, euh, je vais un peu plus vite, euh, parce que une fois que, que je vous ai présenté la structure, le, le travail est le même. Mais euh, encore une fois, j'espère vous donner quelques suggestions intéressantes. Pour l'année suivante, le danger des infox, euh, donc nous sommes en quatrième, le domaine est la, citoyen, la citoyenneté numérique, les objectifs, euh, vous, euh, vous les voyez là, et euh, le texte d'appui, encore une fois, c'est un grand classique. Euh, euh, je n'ose pas imaginer qu'un élève sorte d'un parcours littéraire sans avoir lu au moins quelques vers de la phèdre de, euh, de Racine. Vous avez demandé pourquoi les infox dans la phèdre de, euh, de Racine. Alors là, on vous propose une entrée en, entier, en matière un peu différente. Hein. Par exemple, euh, tout le lexique de la fausse nouvelle et de la manipulation d'images à partir du mot infox. Hein. Euh, si on veut bien parler français, euh, au lieu de fake news, qui est quand même une expression qui est utilisée dans la langue française, euh, si on veut parler franco-français, le mot c'est bien un fox. Un fox, c'est un mot valise euh, créé hum, par le télescopage de information et de intoxication. Donc une information intoxiquée, hein, toxique qui fait du mal. Euh, et donc euh, pourquoi pas explorer, explorer le, le lexique. Je vous ai mis là quelques mots, mais euh, on peut tranquillement continuer. Donc euh, L'infox, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est la rumeur Qu'est-ce que c'est un canular euh, Le verbe bidouiller, on parle d'un bidouilleur surtout d'images, donc des images trafiquées. Le démystificateur, c'est la traduction en bon français de debunker, c'est-à-dire la personne, l'organisme, le groupe qui, euh, qui travaille pour. Euh, euh, démasquer euh, les, les infox et les fausses informations etc., etc les repères juridiques là encore une fois on parle on vous propose le code pénal italien euh, on peut très bien citer le code pénal français et euh, l'agenda 2030 bien sûr euh, où on parle du droit à l'information hein, et derrière le droit à l'information euh, il y a le droit à l'information correcte Bien évidemment. Alors pourquoi Phèdre Parce que euh, dans Phèdre, le nœud dramatique est constitué par une fausse nouvelle. Ce n'est pas une véritable infox, hein, c'est plutôt une rumeur. Euh, ce n'est pas une fausse nouvelle créée pour des fins euh, négatives, criminelles, euh, etc. Mais euh, sans la, la, la fausse nouvelle de la mort de Thésée, <laughs> évidemment, la tragédie aurait pris un tout autre... Euh, Hein, tout autre cours. Hein. Et donc, nous avons analysé Phèdre, l'aveu, euh, toutes tout les scènes que nous avons voulu analyser en classe, mais partons euh, euh, maintenant sur cette réflexion. Euh, la fausse nouvelle de la mort de Thésée est à l'origine d'une tragédie. Hein, et Dieu sait euh, combien de personnes seront victimes de cette fausse nouvelle. Et puis, on peut élargir le champs d'investigation en demandant aux élèves s'ils connaissent d'autres œuvres littéraires, des films hein, sur, euh, qui se basent sur une fausse nouvelle ou, euh, ou une fausse nouvelle entre en jeu pour lancer ou relancer l'intrigue. Encore une fois, une manière de partir de la littérature, de valoriser la littérature, de rester dans la littérature pour montrer que la littérature nous parle non seulement d'aspects, de, 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 de métaphores et d'assonance, de, 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 mais elle nous parle aussi euh, dans des domaines qui sont très intéressants et très actuels. Là, hein, une, une liste que vous allez retrouver euh, dans, dans le matériel qui vous sera mis à disposition. Euh, je vous montre, il y a tout un dossier que euh, je voudrais vous montrer. C'est le monde diplomatique, j'imagine que vous connaissez. Naturellement, l'intégralité du dossier est payante, mais de manière très généreuse, certains articles sont d'accès libre. Donc, c'est un dossier vraiment très, très bien fait, hein, très, très riche. Euh, certains articles, voilà, ceux qui sont marqués en rouge, hein, vous pouvez, vous voyez, vous pouvez les, les cliquer et... Euh, vous avez accès à, à des articles complets. Donc, il y en a beaucoup, mais certains sont, sont particulièrement intéressants. Donc là, c'est vraiment un dossier préconstitué qui est très intéressant. Dans les dossiers d'accès libre, je voudrais vous montrer celui-ci parce que je l'ai trouvé particulièrement intéressant. C'est toujours du même dossier. C'est les chiffres. Ce n'est pas un texte, euh, un texte avec beaucoup de mots, c'est un texte avec beaucoup d'images. Euh, et ça nous fait réfléchir sur le fait que, bon, hein, euh, la mat le, les mathématiques, les chiffres, mais évidemment, les chiffres aussi peuvent euh, être à l'origine de fausses informations. Donc là, il y a des réflexions, à mon avis, très, très intéressantes hein, à partir de la représentation du monde la projection traditionnelle qui met l'europe au centre et qui donc déforme, déforme, parce que c'est un problème de, de visualisation, déforme énormément les, les, autres, les autres continents, comme, comme quoi l'afrique serait à peine, serait pas plus grande que la russie, alors que l'afrique est énormément plus grande que la russie. donc une projection plus fidèle. les points de vue, la manière de présenter, la manière de présenter le même phénomène, hein, donc euh, le problème de l'Inde, euh, du Cachemire, etc. Hein, donc euh, la même carte de l'Inde vue par des pays différents, donc l'Inde qui montre le Cachemire, et le Pakistan qui le cache, hein, Chypre, les données, les données chiffrées, hein, euh, qui donnent. Je vous laisse parcourir parce que c'est vraiment très intéressant on dit voilà une carte voilà une carte euh, qui nous parle Eh bien euh, la représentation là encore une fois n'est pas, euh, pas vraiment correcte euh, Je vous laisse le plaisir voilà là, ça c'est très intéressant hein. avoir coupé par exemple là, les barres hein, euh, qui, qui, qui on dirait que ces, trois, ces les trois premières données hein, là ça, ça parle des groupes politiques, euh, les trois premiers parties là euh, seraient presque à égalité, alors que la réalité, hein, bien sûr, hein, il n'y a rien de malhonnête. Hein, il y a le, la, la, on, a, on a bien signalé qu'on a, euh, qu a coupé, mais euh, l'effet visuel est bien, bien différent, etc., etc. donc, euh, c'est un dossier qui est, qui est très intéressant. Euh, excusez-moi. Euh, la retouche photo. Donc, vous voyez qu on a essayé aussi de vous présenter le même, le même phénomène sous différentes approches, bien sûr, des articles, mais nos élèves lisent déjà énormément d'articles. Donc, pourquoi, euh, pourquoi pas parler de la retouche photo, qui là aussi euh, est très intéressante. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un site pour les photographes. Hein un site qui vous donne des conseils sur comment améliorer vos photos. Eh bien, il y a tout un dossier très intéressant, euh, le cadeau, on ne le veut pas, euh, sur la retouche photo. Hein, la retouche, le bidouillage, hein, donc euh, à partir, à partir euh, d'époques apparemment euh, euh, innocentes. Hein, euh, donc, euh, l'image de, de Lincoln qui a été bidouillée. Euh, on fait disparaître ou on ajoute des éléments. Hein, voilà, les, les indésirables qui disparaissent. Euh, bon, là, évidemment, ça, c'est un photomontage, mais voilà, hein, euh, les, les indésirables qui disparaissent mystérieusement euh, des photos. Hein, euh, c'est un dossier qui est très, très intéressant. Hein, ou des gens qui apparaissent. Hein, euh, euh, des gens, pierre là, par exemple, Goebbels qui n'était pas dans la photo, voilà, mystérieusement, il apparaît comme, euh, comme euh, à, son, à sa place, euh, à la place qui était la sienne à côté du, de Hitler. Hein. Euh, etc. etc. Euh, il y en a pour tout le monde euh, Nazis, communistes, fascistes, euh, donc euh, on ne peut pas nous accuser ce site de, de, de manipulation politique. Et je vous signale aussi un, un, une vidéo très intéressante hein, parce que là, c'est euh, une vidéo de TV5 Monde euh, sur euh, toute une longue liste. Là, c'est vraiment un dossier énorme de fausses nouvelles d'un Fox qui sont toutes euh, démystifiées l'une après l'autre. C'est une émission. Hein, c'est une émission euh, euh, qui, qui s'amuse à euh, Prouver la, la, la fausseté de certaines, de, certains infos, de certaines infos. Donc, pour l'évaluation, hein, c'est toujours la même chose. On peut, pas, on peut faire du classique, mais on peut faire aussi hein, jouer le rôle d'un démystificateur ou debunker, hein, fact-checker, on dirait les anglais. Donc, repérer une info et la corriger comme l'on fait en prenant comme modèle le, euh, les vidéos que je viens de vous signaler. Dernier et encore plus rapide. Euh, présentation, la consommation responsable, on est en cinquième on a des, des, des grands euh, des élèves majeurs qui consomment euh, donc le domaine c'est le développement durable les objectifs vous les voyez là le texte d'appui c'est les choses de euh, Perec, un texte de 65 l'entrée en matière c'est euh, très banalement euh, une image avec euh, une infographie, un rendez-vous pour consommer responsable euh, discuter en classe de l'ordre d'importance de toutes ces actions de consommation responsable. Ça peut, ça peut être très, très intéressant. Encore une fois, les repères juridiques, la protection de l'environnement, l'amélioration de la qualité de l'environnement et les politiques du développement durable. Agenda 2030, Objectif 12, consommation et production responsable. Le texte de Perec j'imagine que vous le connaissez, hein, c'est les deux protagonistes qui, dès qu'ils ont un peu d'argent, commencent à se lancer dans la consommation entre des choses utiles et la, le plus souvent euh, des choses euh, inutiles. Là, il y a beaucoup de vidéos, donc je ne veux pas vous, euh, vous montrer tout, vous montrer, je ne vous montre rien pour le moment. Donc comme ça, on va vite vers la fin de notre rencontre. Encore une fois... Un dossier intéressant du monde diplomatique qui met en parallèle deux manières de consommer les grandes surfaces et euh, un magasin bio éthique. Un nouveau type de smartphone le smartphone éthique et écologique, un smartphone que euh, fait avec du matériel recyclé euh, et qui, euh, qui, qui n'est pas, qui est fait pour durer, euh, qui n'est ne, qui pas dépassé au bout de quelques mois. Des voyages responsables. Euh, comment voyager de manière euh, responsable. Nous avons des gens qui... Euh, nous avons désormais des grands, on est en cinquième, en terminale. Et puis, je vous signale, euh, si vous êtes intéressé à la consommation responsable, euh, cette association suisse, Zoen, hein, Zoen euh, est un mot grec hein, euh, qui, qui, qui fait appel à la vie, hein, vivre. Hein. Et donc, ils ont une chaîne YouTube euh, dans laquelle vous trouvez... Euh, une, toute une série de vidéos sur différents conseils de consommer, de voyager, de vivre de manière responsable. L'évaluation, là, hein, euh, pourquoi pas réaliser un sondage euh, dans, dans, dans la classe, dans la famille, euh, dans, la, dans la filière, dans le lycée, et puis réaliser une infographie euh, de ce type. Normalement, ce sont des, euh, des, des activités qui, euh, qui plaisent beaucoup à nos, à nos élèves. Euh, voilà, euh, pour l'évaluation, pourquoi pas transformer un article en une présentation Pecha Je ne sais pas si vous connaissez ce site, je vous l'ai mis parce que euh, c'est une manière de présenter euh, alternative au, power au PowerPoint traditionnel, parce que là, euh, c'est plutôt basé sur des images qui durent 20 secondes. Donc, au bout de 20 secondes, on change une image. Donc, il faut être Très très habile à être à présenter notre discours en 20 secondes maximum. Euh, vous pouvez trouver, vous avez là le site. Vous pouvez moduler le site, euh, le, 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 la durée de votre de votre présentation. Peut-être 20 ben, images, c'est beaucoup. On peut en faire 10. Mais le fait qui est très intéressant, Pecha Kucha, c'est un mot, euh, c'est un mot euh, japonais. Euh, qui signifie bavarder hein, dans, dans, dans le langage informel euh, japonais. Et c'est très intéressant parce qu'il oblige les personnes à, à, à rester brefs et euh, succincts, ce que je ne suis pas là euh, maintenant. Naturellement, on peut se lancer le défi de euh, proposer une solution réalisable euh, pour euh, changer un comportement à l'intérieur de l'école. Euh, ou dans sa propre famille, pourquoi pas. Euh, là, euh, je vous ai mis une liste de, 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 de sites intéressants. Hein? Euh, la situation française, vous savez que l'enseignement de la citoyenneté fait partie des programmes aussi, et donc EDUSCOL, qui est euh, le, le site officiel du ministère de l'Éducation française, a tout un, 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 un énorme réservoir de matériel. Euh, avec là aussi des, parfois des, 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 des parcours déjà euh, préparés, euh, des articles, des dossiers, euh, des infographies euh, très intéressantes sur ces deux sites. Hein. Vie publique aussi est un site officiel. Le 1hebdo, c'est un site d'articles euh, qui utilise souvent des infographies très intéressantes. Des vidéos, hein? Lumni, euh, notre, notre caverne d'Alibaba, euh, pour nous les professeurs, euh, des, des vidéos spécialement conçues pour l'enseignement moral et civique, un jour une actu dont je vous ai parlé. Carambolage, qui est un magnifique euh, site de vidéos, des vidéos faites par la chaîne franco-allemande Arte, euh, qui sont très très bien faites, là aussi qui ne durent pas beaucoup, 5-6 minutes vraiment éducatives, vraiment faites dans un langage très simple et puis euh, euh, le journal des idées euh, qui est cette émission de France culture et qui est accessible en podcast et là vous avez là aussi un réservoir énorme de matériel que nous pouvons utiliser voilà je vous euh, remercie je vous remercie pour euh, pour votre pour votre attention et euh, si vous avez des questions euh, je suis là pour vous euh, répondre merci encore Grazie, grazie professore Giacchino. Sono arrivate numerosi, numerosi riscontri positivi dal pubblico. È stato sicuramente un intervento molto, molto interessante, anche questa panoramica finale sui siti molto apprezzata. E, prima di passare alle domande ne ho segnato un paio. Riepilogo rapidamente perché forse qualcuno ci ha raggiunti dopo e quindi non ha sentito. Eh, nella fase iniziale appunto la, la spiegazione un po' tecnica, allora tutti i materiali relativi a questo incontro quindi sia le slide che vi ha mostrato il professore Giacchino che gli attestati di partecipazione saranno disponibili nella sezione archivio webinar del nostro sito, quindi nei prossimi giorni potete collegarvi lì e troverete tutto quello che vi serve allo stesso modo la registrazione del, dell'evento sarà invece disponibile sul nostro canale youtube, quindi avrete eh, à disposition également pour récupérer éventuels minutes que vous vous êtes perds. Euh, Passons donc aux questions, je disais, ce sont un paire. Alors, la première, il y a toujours des repères juridiques à l'intérieur des parcours citoyens Oui, oui. Nous, nous avons, euh, nous avons, nous nous sommes efforcés de trouver des, euh, des repères juridiques, oui, variés, hein, parce que des fois c'est la Constitution, des fois c'est très souvent l'agenda. 2030 évidemment. Donc pour chaque parcours, il y a euh, le, le, le nous avons nous avons appelé cette petite section la parole au droit. Donc un texte sur lequel partir parce que euh, il faut partir. Hein. c'est Parcours de cittadinanza, euh, c'est pas quelque chose qu'on invente. Euh, euh, la cittadinanza c'est quelque chose qu'on apprend et, on, et en partant, en partant aussi des textes qui fondent notre vie commune. Grazie mille. C'è un'altra domanda molto interessante. Peut-on utilizzare le parcours citoyen pour préparer les élèves au colloquio dell'esame di Stato? Euh, bah, oui, <laughs> tout à fait. Euh, C'est une question très intéressante perché, justement. le colloque d'État, de, de l'examen d'État tel qu'il est, euh, qu est, là maintenant, il, il prévoit la, la, la capacité des élèves euh, de passer d'un sujet à l'autre. Et donc, pourquoi pas, hein, la, la cittadinanza fait partie, hein, c'est une une des composantes du, du colloquio, Et donc, si l'élève ou si nous habituons nos élèves à élaborer des réflexions à partir d'un texte littéraire, à mon avis, un jury de d'examen de, 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 de bac devrait valoriser la capacité des élèves. Donc, je pense que ça rentre parfaitement dans la préparation de l'examen d'État. La capacité de relier euh, de relier euh, les sujets les uns aux autres. Évidemment, évidemment, nous vous faisons des propositions, mais je suis sûr que chacun de nous peut enrichir avec. Par exemple, le côté français, je vous ai mis, par exemple, là dans les, dans les diapos, vous avez du matériel. Donc, évidemment, ce sont des parcours que l'on peut enrichir et surtout euh, euh, les mettre en parallèle avec ceux que font nos collègues. Parce que l'intérêt de l'enseignement de, de la citoyenneté, c'est que le conseil de classe devrait former des parcours le plus euh, homogènes, disons, euh, entre eux. Euh, qui se parlent entre eux. Et donc, euh, oui, tout à fait. Le, je pense que c'est un très bon euh, entraînement pour le colloque. Pour pour le. Perfetto, grazie mille. Allora, ci sono un altro paio di domande a cui, mh, diciamo, mh, posso rispondere anche io, professore, se è d'accordo, perché sono più legate all'accesso ai contenuti a partire dal, dal libro. Infatti, qualcuno chiede come accedere a questi materiali che sono stati mostrati, quindi, soprattutto video, articoli di giornale, eccetera. Allora, ovviamente, appunto. Eh, come vi abbiamo spiegato eh, tutta la documentazione mostrata ora nella slide è accessibile tramite i, i link appunto, che troverete all'interno della presentazione che sarà a vostra disposizione. Eh, all'interno invece di, eh, del nostro fascicolo metode examen che accompagna ECO eh, tutti questi materiali sono accessibili tramite QR code ogni percorso che avete visto e gli altri che non abbiamo avuto modo di sfogliare oggi ma che sono stati citati ha il suo QR code di riferimento che ehm, lancia di volta in volta tutti questi documenti multimediali. Ecco esatto, grazie professore, mi sta aiutando molto in questo momento visto che non posso <ride> condividere. E con ognuno vedete ha il suo QR e da lì verranno in automatico mostrati in un comodissimo menu a tendina tutti questi contenuti, che siano video, eh, articoli di giornale, PDF scaricabili. Quindi veramente uno, uno strumento accessibile soprattutto per i ragazzi che sappiamo usano tantissimo ormai i QR code e anche noi ormai siamo entrati in diciamo abbastanza in confidenza quindi ecco questo diciamo per rispondere alla vostra domanda eh, qualcuno chiede anche ci saranno altri appuntamenti assolutamente sì come vi dicevo all'inizio questo in realtà è il secondo appuntamento di un ciclo di tre incontri che abbiamo pensato di dedicare alla letteratura francese tutti con il professor Luca Giacchino abbiamo un altro appuntamento previsto il 28 aprile che sarà dedicato alle figure femminili della letteratura francese quindi già c'è appunto entriamo nel vivo appunto della letteratura per cui vi invito a iscrivervi se, se siete appunto diciamo, interessati a partecipare e, e ci ritroverete qui appunto a vostra disposizione. Quindi vi ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio ancora una volta il professor Giachino per il suo intervento e vi do appuntamento, a presto. Grazie mille.